Bonjour à tous, je vous présente mon album sur le thème Harry Potter. Donc il est réalisé depuis un moment mais j'avais pas encore eu le temps de pouvoir filmer la vidéo. J'en profite d'être un peu au calme et d'avoir la lumière du jour surtout pour vous présenter l'album. C'est le même album que l'album Alba, que l'album My First Year pour lequel il y a un tuto. Donc si vous voulez réaliser cet album, il faut suivre le tuto My First Year qui est en train de sortir là en ce moment sur ma chaîne. Je vous mettrai de toute façon le lien du premier tuto dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc je vais vous présenter l'album et pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, je vous présente en fin de vidéo le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Voilà. Bon visionnage!
Alors, avant de parler du matériel, donc cet album, il contient des photos en format 9 par 13, 10 par 15 et 18 par 13. Oui, c'est ça. Donc, du coup, j'ai différents emplacements. Voilà, celle-ci, c'est du 10 par 15. Voilà. Donc, celle-là, c'est du 10 par 15. Les petites, celle-ci, c'est du 9 par 13. Voilà. Et les grandes photos, celle-ci, c'est pour des photos en 13 par 18. Voilà. Donc il y a à peu près 75 photos, il me semble, dans cet album. Donc le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Alors évidemment, la collection de papier principale de fond, c'est celle-ci, donc de chez Artist Décor. Il y a deux volumes dans cette collection. J'ai utilisé les deux volumes. Alors pas en totalité, mais j'avais acheté les deux volumes de collection de papier. C'est essentiellement des papiers de cette collection. Ici, là, celui-là, ce papier qu'on voit là, c'est le même qu'on peut trouver là, donc à certains endroits. C'est un papier unique, j'avais dans un bloc de chez Action qui se marie très bien avec la collection. Je serais incapable de vous dire quel bloc, hein. C'est une feuille que j'ai pris d'un bloc comme ça, complètement par hasard, donc voilà. J'avais acheté mes papiers sur Horizon Créatif. Les petites flippettes en forme d'éclair pour le rappel de Harry Potter viennent aussi de la boutique Horizon Créatif. Voilà, les scratchs, ça vient de chez AliExpress. Et toutes les petites décos Harry Potter. Alors, tout ce qui est comme ça, là-haut, ça, mes petites cartes là, tout ça. Alors, effectivement, ça aussi, j'ai trouvé sur AliExpress. Alors, j'en ai encore. Hein, donc, j'avais acheté deux lots. Donc, je pourrais refaire certainement un petit album Harry Potter. Alors, pas aussi gros parce que j'aurais pas assez de papier. Mais vous voyez, il y avait vraiment des cartes. Alors, par contre, c'est tout en anglais. Hein, voilà. Donc, il y avait des petites cartes. Il y avait des trucs en vellum, là. Donc, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'ai tout en double, hein, puisque j'avais acheté en double. Donc, la boutique sur laquelle je l'ai acheté sur AliExpress, je serais incapable de vous le dire. Après, j'avais repris en complément aussi des petits stickers, donc avec des petits rappels des films, donc que j'ai collés dans l'album, qui viennent aussi, voilà, de chez AliExpress. Alors, j'ai pas tout collé, parce que, bon, il y en avait qui me plaisaient un peu moins, mais je les garde pour un autre projet. Donc voilà, donc il y avait quand même pas mal de petites choses. Alors après, il y en a que j'ai pas utilisé, vous voyez, il y en a encore, il y a toutes les Hermione, il y a Ron, il y a la chouette, Hagrid, Cédric Diggory, enfin voilà. Donc ça, c'est des petites cartes qui peuvent se rajouter en plus. Mais voilà, moi j'ai voulu rester vraiment dans l'esprit un peu vintage dans l'album et pas utiliser ces petites décos blanches. Mais voilà, enfin, il y en a quand même pas mal, donc ça c'est un truc que je vais garder pour éventuellement refaire un album. J'ai utilisé, donc je vous dis, que les collections, et il y a juste à un moment donné, il y a des... Alors, je vais essayer de trouver la page pour vous montrer de quelle page je parle. Où est-ce qu'elle est? Ben, je sais pas où est-ce qu'elle est. Bref. Bon, bah, je vais vous montrer le papier, ça sera plus simple. Il y a un moment, il y a une page d'écriture. J'avais acheté ce bloc-là, c'est celui-là, dans les tons marron, avec différents dégradés de marron et des petites écritures. Donc j'ai pris une feuille de ce bloc-là pour le réaliser. Mes petits tampons, c'est aussi une planche de chez AliExpress, mon petit tampon photo ici. C'est celle-ci. Voilà. Et mon encre blanche, c'est une encre qui vient de chez Asa. J'ai beaucoup d'encre de chez Asa parce que je faisais du scrap Asa avant. Donc du coup, j'ai pas mal de matériel de chez Asa et leur encre est absolument géniale. C'est une encre que j'ai depuis plus de 5 ans qui ne bouge absolument pas. Et voilà, qui est très bien. Donc j'ai plusieurs couleurs dont la blanche. Donc voilà mon petit album. Donc comme je vous dis, c'est le même que l'album Alba, que l'album My First Year. Donc si vous voulez suivre le tuto pour le réaliser, vous pouvez. Et devant, donc alors ça c'est une page principale, hein, de une feuille de la collection. Ah, peut-être pas celle-là, mais l'autre.
Et après, j'ai rajouté donc les petits stickers que j'avais. Alors ça, ça fait partie du bloc. Mais ça, c'est des petits stickers que j'avais. Donc j'ai rajouté pour faire l'esprit Harry Potter, toujours avec le chapeau magique, la tête de Harry, l'enveloppe, tout ça. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cet album parce que moi j'aime beaucoup Harry Potter, hein, donc voilà. Donc j'avais envie de le réaliser, j'avais les papiers depuis un moment. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bye bye!